c'est que ce sondage montre que ceux qui ont hurlé quand nous avons eu le malheur de dire que nous souhaitions avoir une réflexion stratégique sur le débat, les débats que doivent conduire notre parti par rapport à nos adversaires, Parti Socialiste et Front National, que ces hurlements sont un peu démentis par ce que nous observons de l'opinion. Et tout cela montre bien que nous devons déterminer par rapport à nos adversaires au pluriel, puisque nous en avons deux, les grandes thématiques sur lesquelles les Français attendent de nous des réponses et des lignes d'action. C'en est une nouvelle démonstration. La communication qu'on va faire au bureau politique prochainement, c'est une communication qui est une note stratégique sur nos réponses aux grands problèmes, le choc des civilisations, la question des monnaies, la question de la compétitivité économique, les questions de l'immigration et de la sécurité, tous thèmes qui sont véhiculés par le PS comme par le FN, mais évidemment hors de question, qui est le moindre compromis d'alliance avec un adversaire sur nos valeurs qu'est le Front National et un adversaire sur les solutions proposées qu'est le PS. Pour vous, qui est Marine Le Pen? Est-ce que c'est la jeune fille de son père ou est-ce qu'elle est différente de son père? Vous avez, enfin là, je m'exprime à titre personnel parce que chacun, j'imagine, a son avis. Mais enfin, moi, personnellement, je pense qu'elle est exactement comme son père. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que derrière quelques tentatives ponctuelles de montrer qu'elle est jeune et moderne, que ce soit ses discours, que ce soit ses propositions, ce sont systématiquement sur la base d'amalgames, parfois de provocations, et la plupart du temps pour mettre en exergue les problèmes, ce qu'après tout, on sait tous un peu faire. En se gardant bien de proposer la moindre solution réaliste. Et ce sera d'ailleurs l'une des pistes sur lesquelles nous allons travailler, c'est de montrer aux Français que sur tous ces sujets, il y a des propositions à faire, il y a des actions à conduire, mais que celles que préconise le Front National, qui pourtant aspire à être un parti de gouvernement, sont, pour aucune d'entre elles, applicables. Dans le domaine économique, c'est typique. Hein, typique.